vert 100%. On dit des mauriers. Des feuilles de mourier, ça pousse bien dans le nord de Thaïlande. Et puis ça pousse bien aussi des petites sœurs. Des petites sœurs comme ça. Et après, il faut changer le panier assez souvent. Parce qu'après, ça nous donne aussi des santé. Un cocon comme ça, ça peut donner combien de mètres de soie. Pas beaucoup. Ça peut donner à partir de 105. Et ça, c'est pas toujours la même grosseur. Voilà, c'est pas toujours la même grosseur. Parce qu'après, il faut encore nettoyer dans tout le monde. Voilà, parce que ça va prendre plusieurs fils. Après, ça fait le fil. On va faire plusieurs fils parce que la façon dont elles arrivent au bout du cocon, comment qu'elles font? Et quand tout le fil, ça fait du nez. Et après, quand ça reste encore, les faire comme ça, bon appétit. Comme toujours, la tradition comme l'ancienne, dans le temps vraiment. Parce que dans le temps, la soie de l'Andes 100%. Et puis nous savions aussi, nous savons aussi la machine pour faire des canettes, là, tout ça. Des machines pour faire tout ça, ce côté-là. Parce que si on ne fait pas attention, on peut trouver aussi la soie qui a vraiment glissé son fil, plus en fil. Et après, on met encore le reste avec une journée de l'entrée. Vous ne voyez pas. Et donc, ce n'est pas la même matière qu'on est là. Après, il faut bien m'atteler. On la met dans l'eau et puis on touille. On touille. On touille. On touille. On fait quand même quelque chose. Et puis on fait sécher. On fait sécher environ 10 minutes à peu près. Parce qu'il y a la pâte, on a mis le papier qui se fait la main. Au départ, ça vient de l'écorce. On prend dans l'eau. On tape. On peut glisser le même papier avec des dessins. Ou quelquefois, on peut glisser aussi le papier d'emballage. Parce qu'au départ, le dessin, c'est vraiment noir. Comme ça, là. C'est pour délimiter le papier. Comme ça, c'est faire vraiment la forme. Pour montrer ce qu'il peut faire chaque personne, c'est-à-dire qu'il faut commander tout ça, c'est pour les pains là. On peut changer aussi à la caisse là-bas. Si le changer de l'argent, il faut le changer à l'entrée. Il fait un dessin sur son t-shirt, regarde. Extérieur. Et pour les détails, on est en train de faire travailler nos corps.
la partie inférieure. C'est pour entendre cette partie. Après, on met la résine dedans. On met la résine dedans, c'est pour protéger la forme. Et avant, il faut travailler. Puis on dépasse dans la pièce là. Voilà.